C'est toujours une belle rencontre avec d'autres chefs d'entreprise et un moyen d'échanger sur nos différentes cultures. Notre première clientèle est la clientèle chinoise. Donc ici, on prend la température, si vous voulez, on prend le pouls, puisque c'est notre première nationalité et la plus importante pour notre business. C'est un grand honneur pour le Chinese Business Club France-Chine d'accueillir le président-directeur général de Total, Patrick Pouyanné. Total, vous l'avez dit, Total cette année est devenu le numéro 2 mondial dans le gaz naturel liquéfié. Nous avons 10% du marché mondial et la Chine est totalement au cœur de toute cette stratégie. Si vous voulez vous développer en Europe et en France, je crois qu'il faut que vous trouviez des bons partenaires. Et puis c'est le même sujet d'ailleurs à l'envers. Je dirais aux investisseurs européens ou français qui veulent aller en Chine, comme on l'a fait nous, c'est trouver des bons partenaires parce que la Chine c'est immense. Donc le mot que j'ai voulu porter aujourd'hui, c'est le mot partenariat. Le Chinese Business Club à Paris, c'est très important. C'est un lieu où on réfléchit ensemble, où on rencontre des personnalités qui agissent pour l'amitié franco-chinoise. Et aujourd'hui, le président de Total nous a expliqué la stratégie de Total dans le monde. Mais cette stratégie, elle n'est pas envisageable sans un bon accord avec la Chine. Ça fait déjà presque 2 ans qu'on est là. Et ont beaucoup bénéficié de toutes les ressources de Chinese Business Club. On trouve que c'est une très belle plateforme. Il y a beaucoup de grandes personnes, comme aujourd'hui, il y a Patrick. Donc, toutes les grandes personnes, ça a partagé son point de vue et aussi les suggestions. Je trouve que le Chinese Business Club est un endroit extrêmement efficace et pertinent. Donc c'est toujours un grand intérêt d'être là. Je serais personnellement intéressé à voir dans quelle mesure le club ne pourrait pas organiser quelque chose pour la Côte d'Ivoire avec mon président.